que tout le monde sait ce que c'est qu'une PME au sens de la loi au Cameroun? Vous avez parlé de ça à la Rose d'Atelier du matin? Non. Une loi qui a été promulguée en avril 2013, donc qui est la loi sur les PME, qui a été préparée par le ministère des PME, ensuite est passée à l'Assemblée, etc. Il y a deux critères principaux pour la définition des catégories d'entreprises. Les deux critères principaux, c'est le chiffre d'affaires et le nombre d'employés. C'est le nombre d'employés. Donc, la toute petite entreprise, c'est celle qui a un chiffre d'affaires de moins de 15 millions par an et qui a maximum 5 employés. La petite entreprise, c'est celle qui a un chiffre d'affaires compris entre 15 et 100 millions et qui comporte entre 6 et 20 employés. La moyenne entreprise, au sens de la loi camerounaise, c'est celle qui a entre 100 et 1 milliard de chiffre d'affaires et qui compte entre 21 et 100 employés. Et puis la grande entreprise, c'est celle qui a un chiffre d'affaires qui va au-delà des 1 milliard et qui compte plus de 100 employés. Voilà la typologie, la catégorisation telle qu'elle apparaît dans la loi. Les PME, bien que numériquement plus nombreuses, leur contribution socio-économique reste en deçà de leur potentialité, parce qu'elles doivent répondre sur le plan interne au défi de la décentralisation et sur le plan externe tirer le plus grand profit des accords de partenariat économique dans un contexte de concurrence mondiale. Ce n'est pas parce que vous avez une PME au Cameroun que vous n'êtes pas touché par la conjoncture mondiale. La conjoncture mondiale vous touche d'une manière ou d'une autre et donc dans votre stratégie vous devez l'intégrer. Donc en 2009, l'Institut national de la statistique a fait une enquête qui révèle que sur 93 969 entreprises au Cameroun, les PME représentent 99%. 99%. Donc, par contre, elles contribuent seulement pour 3,85% à la valeur ajoutée totale du pays. Et donc, il faut comprendre quelles sont les contraintes qui limitent la promotion de cette catégorie d'entreprises. Nombreuses, mais finalement contribuent très peu.